Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon petit atelier pour vous parler d'un instrument de musique algérien qui s'appelle la kouitra. Ce tutoriel est le premier dans une petite série de vidéos qui va parler de la fabrication de cet instrument. Dans ce tuto, on va aborder le sujet de la fabrication de la caisse ou le fond de la kouitra. Et en arabe, on dit al-qas'a. Pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, il est apparu en Algérie au début du XVIIIe siècle. Il appartient à la famille des cordophones. Il fait partie des symboles de la musique algérienne arabo-andalouse. Il a des cordons en boyau et il s'accorde généralement en ré, la, mi, sol ou bien ré, sol, la, ré. Il est utilisé souvent comme un instrument d'accompagnement dans la musique arabo-andalouse. Et parmi les maîtres qui maîtrisent cet instrument de musique, je cite par exemple Ma'allem Sfinja, Si Mohamed El-Bahar, Mohamed Keshkoul, Cheikh Ben Kabil et Behjar Hall et plein d'autres artistes et jeunes qui maîtrisent cet instrument de musique et jouent avec jusqu'au jour d'aujourd'hui. La caisse de cet instrument de musique ressemble fortement au oud ou bien au luth, avec une petite différence, c'est que la forme elle est un peu élancée. Donc sans vous faire trop attendre, je vous invite à passer directement à la réalisation de cette caisse.
Voilà mes chers amis, les éclisses ils sont assemblés, il reste juste à nettoyer à l'intérieur et mettre des rubans de papier craft pour solidifier le tout, comme ça, ça bouge pas dans le temps. Je vous invite à liker et à partager au maximum cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo et surtout vous abonner pour poursuivre le processus de fabrication de cet instrument. Je vous dis à bientôt et salam alaikum wa rahmatullah.